Hey les big gamers, j'espère que ça va bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Astérix et Obélix. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure! Let's go! Salut à toi! Salut! S'il te plaît, ne me frappe pas! On verra, on verra. Je peux t'apporter une aide précieuse. J'étais espion au service de César, mais... Il a décidé de se passer de mes services. Il m'a renvoyé. Moi, le meilleur agent secret de Rome, renvoyé. Ça va les chevilles. Je me vengerai en divulguant tous les secrets de l'Empire. Un terrible combat a eu lieu ici. Tes amis se sont bien défendus, mais César et ses troupes ont eu le dessus. Il y a beaucoup de casques qui traînent. Collecte ces casques. Et retrouve-moi à l'intérieur du village, près du gros bloc de granit. Alors je t'aiderai. Tes amis ont besoin de toi. Fais vite! Eh ben c'est parti alors. Ah, il y a du remous. Et on allait vers la lune. Oh. Encore des casques. Des casques, encore des casques. Est-ce qu'il y a un roman? Allez, juste un roman, pour le plaisir. Thank you.
Bravo, le compte y est. Je t'ouvre le passage. Ah bah c'est gentil, merci. Utilise cette petite plateforme pour franchir la palissade. N'oublie pas de pousser le gros bloc de granit. Il te permettra d'atteindre la plateforme. Il n'y a pas une minute à perdre. César et ses hommes ont enchaîné tous tes amis. Ils sont partis au pas de course. Et j'ai cru comprendre que des galères romaines les attendaient pour embarquer près d'ici. Au fait, pour pousser le gros bloc de granit près de la palissade, approche-toi de lui, maintiens la touche action enfoncée et pousse le joystick analogique gauche en avant. Si tu m'aperçois à nouveau, surtout viens me voir. J'aurai toujours de précieux renseignements à t'offrir. Mmh, d'accord. Oh, yes! Oh, yes! Ah, c'est bon. Ah zut, tout à côté. Encore. Ah, de la castagne. J'aurai de la castagne. Encore des casques. Oh yes! Oh yes! Ah, c'est bon. Ah, mon espion préféré. J'ai quelque chose de très important à vous montrer. Regardez. Les généraux romains cachent des lauriers en or massif dans toutes les contrées conquises. Et ils le font sur ordre direct de César. C'est lui en personne qui leur indique où cacher ces lauriers. Je suppose qu'ainsi, l'empereur a l'impression d'être présent partout dans son royaume. Il y a un grand nombre de lauriers en or massif répartis dans tout l'Empire. Plusieurs d'entre eux sont présents en Gaule, tous cachés dans les environs. Cherche et trouve tous les lauriers cachés dans chaque pays. Si tu réussis, tu seras grandement récompensé. Surtout, prends le temps de bien chercher partout et fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas.
On verra, on verra. Oh, joli paysage. Hop là, c'est parti.
Eh ben purée, ça en fait beaucoup. Ce petit morceau de bois est une torche éteinte. Elle est très importante. Bien utilisée, elle va te permettre de faire exploser des barils de poudre. Astérix, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Saisis-la et trouve un feu pour l'allumer. Attention, elle a tendance à vite s'éteindre. Sois malin, allume des feux intermédiaires sur ton parcours. Pouvoir la rallumer facilement à chaque fois qu'elle s'éteindra. D'accord, je vais y faire attention. Ah, t'inquiète pas, je suis malin. Ah, j'aime bien moi tout faire péter. Où mon feu intermédiaire? Tu n'as pas trouvé idée fixe non plus? Mais où peut-il bien se cacher? Obélix, quelque chose de terrible est arrivé au village. Tous nos amis ont disparu! Nos maisons brûlent! Qu'est-ce que tu racontes? Hey! Des Romains, par ici! Suis-moi! C'est de la bonne castagne. Le du sanglier. Prêt à combien, Romain? Obélix. Prêt à combien, Romain? Bien de nager un peu.
Ah, mon espion préféré. Je vois que tu as retrouvé ton fidèle compagnon. C'est bien. Vous aurez besoin d'être deux pour libérer tous vos amis. Plusieurs d'entre eux ont été embarqués de force sur deux navires différents. On les distingue au loin. J'ai cru comprendre que l'un d'eux se rendait dans les pays du Nord, mais je ne sais rien de la destination du second. J'ai aussi vu des troupes escorter le cage avec un vieux droïde prisonnier à l'intérieur. Mon bon vieux Panoramix. Et cherche bien. Tu devrais facilement pouvoir les rattraper. Eh ben c'est parti alors. Retrouver idée fixe. Ah, le c'est un précieux allié pendant les combats. Appuie sur la touche réservée à idée fixe pour l'envoyer mordre les fesses des Romains. Ils en perdront leurs armes. Mordre les fesses des Romains. Oh, les pauvres. Au bout de ce sentier, il y a une clairière. Plusieurs gourdes remplies de potions magiques y sont cachées, dont une près de la grande tour en bois. Ramasse-les pour devenir un surhomme pendant quelques secondes. Obélix ne peut pas boire de cette potion, mais je crois que tu le sais déjà. Parce que tu trouves pas que je le suis déjà? Oh bah oui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans le même style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À plus!